il y a 150 millions d'années, où nous étions. Alors, il y avait en gros, c'est schématisé, là vous avez la Terre, il y avait en gros donc le continent américain, l'Afrique, l'Asie, l'Afrique quasiment au contact avec l'Amérique du Sud, et ce qui nous intéresse, c'est l'Europe. Où était l'Europe à cette époque? Eh bien, on était entre l'Amérique et l'Asie, un petit groupement d'îles perdu comme ça au milieu d'un vaste océan, et les dinosaures vivaient sur cet espace. Et plus précisément, pour placer la carrière, nous étions à ce moment-là sur un bord de plage, pour faire simple, sur un littoral qui ressemblerait un peu aux Bahamas ou plus simplement encore, vous connaissez peut-être, le Mont Saint-Michel. Donc des boues, de la boue qui était là, la mer venait de se retirer et les dinosaures ont marché là-dessus et leurs empreintes ont fossilisé. Alors, avant d'aller voir les empreintes, d'abord, quels sont les dinosaures qui existaient à l'époque?